dernière fois, c'était plutôt pas mal hein, ouais, à World Vega. Moi, je pense qu'il peut gagner, très honnêtement. C'est vrai qu'Equinox est en pleine possession de ses moyens. C'est un super cheval, mais Barack Fuego pourrait vraiment aller en appel de son récent échec ici même à Mons. Et attention, Danny Brouwer n'est pas n'importe qui. C'est pas Fred Andelard, ça je suis d'accord. Mais ouais. Allez, Danny Brouwer à l'image. A noter que Cédric Paris revient de Suède. Il drive le 4 Circus Broline. Attention. Oui, il faut faire attention. Hein. Il vient du métier. On peut jamais oublier. Solo, hein. C'est pratiquement une base. Hein. Bah oui, il a terminé deuxième d'Amiral d'Invern aussi même. Le prix des apprentis d'un jockey. Passe bien tout cela. Même si là, elle semble se fâcher quelque peu côté corps de millions de dollars luxe et perd tout de suite de longueur en casaque jaune, toque rouge. Tout en dehors, Lord Mirabel, Cécile, ça se passe très très bien. Equinox, c'est parfait. Et Barack Flevo, ça a l'air parfait aussi. Là, c'est pris de vitesse, attention. C'est parti pour cette 7ème course. Equinox, hein, très vite sur genre, mais également les 4 et 5, Circus Broline et Camino qui vient vite. Excellent départ en dehors du 8 Lord Mirabel. On est très mal parti avec le numéro 1, Million Dollar Luxe et 10 Renardus qui ferme la marche. On rentre dans le premier tournoi et le 5 Camino Eve s'installe au commandement devant le numéro 4 Circus Broline. À l'extérieur, le 8 Lord Mirabel. Le 2 Equinox est dans la corde quelque peu bloqué. Avec à l'extérieur également, on est bien parti avec le 7 Skipper d'Angis et le 6 Barack Flevo. Un peu plus Ilia Kandar, notamment avec Aramis d'Avril. On voit là en difficulté Million Dollar Luxe devant. Il y a toujours le 5 Camino qui mène un grand train d'ailleurs hein, devant Circus Broline, le 4 qui s'est bien positionné en dehors, le 8 Lord Mirabel. Derrière eux, il y a le 2 Equinox qui attend son heure. On va rentrer dans le tournoi des écuries avec toujours le 5 Camino F. Quel avantage qui précède toujours en deuxième position le 4 Circus Broline qui a un bon dos. Le 8 Lord Mirabel est à l'extérieur. Côté corte, le 2 Equinox qui attend, accompagné par Barack Flevo à l'extérieur. On progresse également avec le 7 Skipper d'Angis. Côté corte, nous avons Kandar qui précède ensuite le 9 Aramis d'Avril. Côté corte, le numéro 1 et en dernière position le 10 Renardus. Oui, et le 5 en tête toujours Camino EV, Lord Mirabel en dehors avec Circus Broline et Equinox dans son sillage. Derrière Lord Mirabel, il est encore très très bien placé le numéro 6 Barack Flevo. La course est bien rythmée avec toujours le 5 Camino F qui est l'avantage, le 8 Lord Mirabel qui est à ses côtés, qui n'a pas de dos pour l'instant et qui précède côté corte le 4 Circus Broline avec le 6 Barack Flevo. Côté corte en 5e position le 2 Equinox qui est accompagné à l'extérieur par le 7 Skipper d'Angis. Ouais, deux par deux hein, littéralement là avec le 5 toujours Camino qui précède Lord Mirabel, Circus Broline, Barack Flevo avec Equinox ou encore Skipper d'Angis qui est 5e le 7. On va aborder la ligne droite opposée pour la dernière fois avec toujours le 5 Camino F. Quel avantage accompagné par le 8 Lord Mirabel. Le 4 Circus Broline qui a des ressources. Barack Flevo est en bonne place avec Equinox qui est dans la corde. Précède le 7 Skipper d'Angis. Et côté corte, Kandar qui va très facilement le 3. Et là, ce qui semble battu, il a du mal. Equinox qui sort de la corde. Et ça, c'est très très bien vu. Attaque de Barack Flevo. Aussi le 6 qui double ses adversaires. Barack Flevo avec Lord Mirabel à la corde. Toujours Camino. Et derrière Equinox qui vient vite. On va rentrer dans le dernier tournant avec Barack Flevo, le 6 qui a pris l'avantage maintenant devant le 5 Camino F avec le 8 Lord Mirabel en 3e position avec côté corte également le 4 Circus Broline, Equinox qui se décale et à l'extérieur on vient bien avec le 9 Aramis d'Avril et Kandar qui a des ressources. Danny Brouwer a surpris ses adversaires, c'est très bien vu de sa part. Maintenant il faut tenir au poteau, hein. Le 6 toujours Barack Flevo devant le 5 qui plafonne Camino, Lord Mirabel, Equinox qui sont prêts maintenant à venir très vite en dehors. Barack Flevo qui est parti à point et qui va aller maintenant cueillir le succès derrière. Equinox est en train de gagner le sprint pour la deuxième place devant le 8 Lord Mirabel et Circus Broline avec aux arbres du poteau le 6 Barack Flevo qui va aller s'imposer. Le 2 Equinox va prendre la deuxième place et tout à la fin le 4 Circus Broline sera troisième devant le 8 Lord Mirabel. Exactement, et quel beau succès de la part de Barack Flevo. On l'avait senti que c'était le danger du côté hollandais. On avait mis un top driver au niveau des apprentis. Il s'impose de façon très intelligente. Le 6 s'impose donc devant le 2 Equinox qui n'a pas démérité du tout. Troisième le 4, quatrième le 8. On revoit le passage du poteau. Barack Flevo s'impose très facilement. La deuxième place pour le 2 Equinox Eve. La troisième pour le 4 Circus Broline. Et la quatrième place pour le 8.